Allez, maintenant, c'est les juniors femmes qui s'expriment bien pour les demi-finales de cette Coupe de France avec Marianne Beltrando, la pilote de Frontignan. Ah oui, puissante, puissante, qui réalise l'effort et nécessaire à prendre la première place. Et alors que c'est Margot Lollier, eh bien Saint-Étienne BMX, eh bien à la sortie de ce virage, occupe bien la deuxième position. Allez, j'aperçois maintenant eh bien deux candidates. Eh bien, en matière sportive, pour la troisième et quatrième position, c'est la ça vient à hauteur également. Et bien pour la quatrième place, c'est Griselda Arbigas. Et bien qui se qualifie pour la finale de ces juniors femmes. Allez, les autres sont tombés, la grille aussi. Et voilà, les concurrentes sont bel et bien parties avec Abka Zoué pour le fameux Roubénil, métropole pour l'instant qui met les dents. Voilà, ça a changé également dans le virage. Attention, Martinez Tessa pour l'Union BMX Bocuse, qui pour l'instant va aller chercher également une place pour la grande finale. Il en reste deux. À moi de vous donner la troisième pilote qualifiée pour l'instant. C'est bel et bien Grand Jérémy pour le code de jouer les tours. Et enfin, peut-être le retour, oui, le retour derrière de Léonard Elsi pour Gersa Averne Pémix. Il y a un gros club ici à Allez, première et bien demi-finale de cette catégorie des juniors qui est lancée dans cette arène des BMX. Et c'est monsieur Tatiane Luizan, le pilote de Saint-Étienne, qui fait la différence avec Mac Léo Meigny, et bien qui font le rythme imposé bien par Tatiane. Voilà les deux premières places, Tatiane Luizan, Mac Léo Meigny, la troisième position maintenant, et bien à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Et bien c'est Maxime Bourdieu, et bien pour l'Union BMX Vaucluse, qui va se voir qualifié avec Chris Aldon. Chris Aldon, le pilote de Montgeron avec sa tenue jaune, et bien se qualifie pour la grande finale de cette Coupe de France. Oui, si compte, c'est dans la finale. Après, en fait, tu vas faire vraiment là, pour le premier. Là, ça marche un peu comme l'autre. Allez, le rythme cardiaque qui remonte à toute pulsation. Alors que là, on est bel et bien parti. Ah, avec le pilote Marcel Cubo. Ah, le pilote, je crois, me semble-t-il, a pris l'ascendant dans cette demi-finale des juniors hommes. On va aller voir ce qui se passe juste derrière, évidemment, à moi de vous nommer les quatre premiers pilotes, avec Fontaine Jérémy pour le Stade Bordelais, alors que derrière, il y a le pilote Prostar qui revient également à la troisième place, c'est monsieur Genestroni Louvain. Allez, nous sommes maintenant avec les élites d'âme. Oh, quelle sortie de grille de départ! Eh bien, de Mathilde Bernard, mais il y a une bonne réaction tout de suite. Eh bien, de Pino, la pilote du Stade Bordelais, la championne de France 2018. Alors que la championne de France junior, eh bien, Mathilde, eh bien, occupe la deuxième place. Allez, on est lancé dans cette troisième ligne droite, cette rythme session, comme j'aime à le dire. Et on est venu maintenant se faire télé. Il y a Christelle Boivin. Eh bien, Christelle Boivin qui vient de déborder Mathilde Bernard dans la troisième ligne droite. Et la candidate qui se qualifie, eh bien c'est Charlotte Devolder, eh bien pour Compiègne Sport Rods, eh bien qui arrache une quatrième place dans cette demi-finale. Allez, Loïs à 222, deuxième demi-finale. Attention, j'aperçois déjà Mère Camille de Compiègne Sport. Oui, Etienne Laxel a décidé de s'emparer de la place de leader dans cette demi-finale des élites de dames. On devrait retrouver, je pense, juste derrière, à la troisième position, à la coquille pour l'ADN de Saint-Brieuc. Et voilà Képé, enfin, pour la quatrième place. Elle sera occupée avec Hugo Mathilde, également de l'ADN Saint-Brieuc. Qui va prendre la première place à la sortie de ce premier virage si important. Regardez à l'intérieur, il y a Romain Mailleux, Romain Mailleux, l'Empédic Sauveur.
tradition. Et c'est heureux avec Carlo Negra. Carlo Negra. Et mais attention à Tristan Tournemis. Tristan Tournemis aussi, Madarman, pour la quatrième position. Oh, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Eh oui, il va pas aller la chercher. Attention, monsieur Pilar Arthur. Allez, mais devant pour l'instant, c'est Maïs Romain. Pour l'angle de Mitra, qui a décidé de s'emparer de la première place. Avec la surfilaire également là-bas. Toujours en seconde place. Oh, je vois un gros retour également derrière. Un gros retour. Un gros retour avec la partie de Trish Chapelle, Léo Pocopiette pour Wim. Et enfin, ça chute là-bas. Et on en profite également du côté.